Presque un mois après sa première visite, le ministre de l'économie était de retour à Bordeaux ce lundi. Le sujet de sa venue est toujours le même, évoquer l'avenir du site de Ford et son éventuelle reprise. Le dossier semble pour l'heure au point mort. L'option privilégiée par Ford est la fermeture de l'usine. Bruno Le Maire s'est dit en total désaccord avec cette option. Il a même évoqué le fait que Ford ne faisait rien pour aider à la reprise par Punch. L'État, quant à lui, promet de mettre sur la table 5 millions d'euros. Plusieurs milliers de personnes ont marché samedi dernier dans 80 villes de France pour le climat. Ils étaient près de 6000 à Bordeaux selon les organisateurs. 2000 selon la police a demandé des mesures d'urgence pour protéger l'environnement et ralentir le réchauffement de la planète. D'autres actions devraient avoir lieu dans les mois prochains pour demander l'état d'urgence climatique. Le baby-foot fait son retour. Victime de la disparition de nombreux bistrots, mais aussi de la concurrence des jeux vidéo, il a su retrouver sa place depuis quelque temps, au sein cette fois des entreprises. Un moyen de créer du lien entre les salariés. J'ai monté la boîte à la maison au départ. Donc le baby-foot faisait partie des meubles et on a pas voulu. Il souffre trop, mais on voudrait pas l'achever parce qu'il nous plaît quand même. Ouais, ça permet de faire des rencontres, de se mélanger, de jouer par équipe, de faire des tournois. Il y a toujours des bonnes raisons pour jouer au baby-foot, quoi. C'est faire une pause. Faire une pause pour décompresser. Voilà. Et puis un échange. Un échange entre midi et deux, après avoir mangé, c'est juste un moment de détente, je pense.